une 13e ceinture mondiale. C'est quand même phénoménal, Aurélien, ce qu'il est en train de réaliser. C'est phénoménal, 150 combats, là, c'est cette régularité de ce garçon et aussi toutes ses victoires, 13 titres mondiaux, c'est vraiment un vrai modèle et en plus c'est un plaisir à le voir boxer. On le voit à l'écran, il sourit, il aime ce qu'il fait, il prend du plaisir et c'est vraiment un très bel exemple. Et puis surtout il a 33 ans, Johan, il lui reste quelques années, il en est conscient, mais on a l'impression que, qu'il est au sommet de son art et qu'il prend vraiment de plus en plus de plaisir à le pratiquer. C'est ça, il est au sommet de son art et puis il fait ce qui est très très dur, c'est-à-dire qu'il le maintient, toucher le sommet, on a tous touché le sommet, on a tous touché la réussite et le plus dur c'est la maintenir et il est vraiment une preuve de longévité et de discipline. Et vous voyez son adversaire Karapetian, un Arménien qui est aujourd'hui basé aux Pays-Bas, adversaire redoutable, hein, qui fait partie des 10 meilleurs mondiaux selon l'organisation du Glory, hein, qui est la plus prestigieuse au niveau international. Ça nous promet tout de même une très très belle soirée. Avant cela, il y aura Dylan Salvador, 22 ans. On le voit, on découvre le programme ensemble de cette soirée avec Dylan Salvador. Ce sera le co-main event en Muay Thai. Soir à Paris. Et avant cela, il y aura deux autres combats. Il y aura Fabrice Aurien qui, lui aussi, a 34 ans et est vraiment en train de vivre une seconde jeunesse. Il enchaîne les succès, il est sur 7 succès consécutifs. Et puis surtout, s'engager. Ouais. Bon, c'est un petit peu votre poulain, hein, Fabrice Aurien, qui va rentrer sur le ring. Il y a Fabrice que j'adore, hein, parce que quand j'étais à Marseille, je m'entraînais avec Pierre-Louis Lavelli et les Berbachi. On était souvent ensemble. Et puis il y a aussi mon copain d'entraînement là, de Hollande, du Shakuraki. Shakuraki, on vient de l'évoquer. Voilà, Franck Munoz et... C'est un garçon à devenir. Fabrice Aurien donc, 34 ans, le boxeur né à La Réunion, au quartier du Chaudron, à Saint-Denis, basé aujourd'hui à Marseille avec son entraîneur Louis Lavalli. Un pur produit de la boxe française. Hein. Fabrice Aurien, il a été 5 fois champion de France, également champion du monde dans cette discipline très technique qu'on considère comme la meilleure école de pied-point. Et qui jouit aujourd'hui d'une polyvalence assez rare. Fabrice, il boxe à la fois en anglaise, en kick, en kiwan, en muay thai. Et c'est un poids lourd, Jérôme Aurélien, qui n'est pas un gros frappeur, mais qui a une très très grosse technicité pour son poids. C'est ça, moi je trouve qu'il cible bien et il va au milieu. Voilà. Ça, il va au milieu, Jérôme, il est très précis au rien, il a une bonne stratégie, une bonne observation. D'ailleurs, il m'a dit tout à l'heure dans les vestiaires, il m'a dit ce soir je boxe mon pote Mathieu. Voilà. Qu'il a perdu il n'y a pas longtemps et ses enfants, il m'a dit mes enfants, dès que je monte sur le ring, c'est pour eux. Là, donc, let's go, ses enfants, c'est une nouvelle motivation pour Fabrice, justement, qui est père de deux enfants. Et vous allez le voir sur les images, il a les visages de ses enfants tatoués sur les pectoraux et il porte évidemment également leur nom toujours sur ses tenues. On vient de devoir faire son petit rituel, son petit tour. Et Fabrice Aurien qui a 34 ans, hein, qui commence à avoir beaucoup d'expérience, déjà 86 combats derrière lui pour 76 victoires et qui est vraiment, on a l'impression, en train de vivre une seconde jeunesse, hein. Il enchaîne les victoires, il est sur 7 succès consécutifs, toutes disciplines confondues. Moi je l'ai vu la dernière fois, c'était à Lyon, il était explosif. Non, il est de mieux en mieux, comme le vin, en vieillissant. Et c'est incroyable, hein, cette capacité qu'il a de passer de la boxe française à la boxe anglaise au K1, comme il va donc disputer ici ce soir ce combat. Beaucoup de poids, hein. C'est vrai qu'on l'a pesé à 107,5 kg, alors qu'il me semble que sur son dernier combat il était à 111. Et on le sent très affûté, Fabrice Aurien, très déterminé. Respect, touch your pants. Je donne les dernières consignes. J'ai cru reconnaître Perry Ubeda. Et Perry Ubeda qui est. Vous voyez avec le t-shirt blanc dans le coin. Ouais, en effet, qui sera également dans le coin de Karapetian tout à l'heure. Monsieur Dulabit, oui, Jérôme, je devais le boxer, ça s'était jamais fait. Je devais boxer Perry Ubeda à Bercy, ça s'était pas fait pour des raisons d'organisation. C'est un sacré boxeur qui nous a régalé. C'était pas compliqué. Un ami à toi aussi. Et première reprise. Plus de 100 combats professionnels, hein, Perry Ubeda. Allez, c'est parti pour cette première reprise tout de suite. Fabrice Aurien bien présent, petit avantage d'allonge, hein, pour Franck Munoz. Oh là là, Fabrice Aurien qui est... 1m95 pour l'Espagnol, 1m85 pour Aurien. Alors que Aurien lui accuse tout de même un avantage de poids, de puissance, 107 kg face à 80. Oui, qui est touché bien sur cette petite droite. C'est un déséquilibre, j'ai l'impression qu'il a pris un coup là-haut. Pas de compte, estime l'arbitre. Il attaquait très très fort Fabrice Aurien, il avait des séries de points puissantes et trois jambes déjà très fortes. Il veut faire douter de Munoz tout de suite et profiter de sa défense régalée de puissance, même quand il bloque, Munoz est touché. C'est bien, il est en train de marquer ses low kicks.
pour casser les appuis de Munoz. Pour l'instant, c'est lui qui impose sa distance et on voit cette jambe là qui part très très vite, très haut. Ah, c'est vrai que là Franck, il attend un petit peu. J'ai l'impression qu'il il a été un petit peu plus court. Hein. Sur le côté, regardez, là, cette puissance même sur son coup, il tombe. La tour, il observe. Hein. Ils se sont déjà boxés, hein, ces deux hommes. C'était il y a 9 ans. Fabrice Soriens s'était imposé au point. Et évidemment, Franck Munoz qui était au tout début, hein, aux prémices de sa carrière professionnelle. Bien évidemment, 9 ans après, ce n'est plus du tout le même combat. Certainement une volonté de revanche. On voit encore la qualité technique de la défense d'Orien qui vient de faire ce petit pas de retrait, des belles défenses. Munoz qui paraît un peu déstabilisé. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, j'observe parce que c'est deux amis. Bah oui, je vois bien. Et en fait, j'étais en train de réfléchir qu'il y a un mois, Franck était en train de préparer Monsieur Daniel Cormier pour son combat contre l'UFC. Absolument. J'espère qu'il a bien récupéré le décalage horaire. Absolument, mais il est revenu il y a une semaine. Alors, pour préciser, il était en Californie, hein, du côté de San José, pour préparer Daniel Cormier qui devait boxer donc en MMA à l'UFC pour la ceinture des poids mi-lourds, qui s'est blessé. Et il a fait du sparring intensif avec Cormier, avec Cain Velasquez, avec Luke Rockhold, qui sont des grandes stars de l'UFC. Et là, on sent une défense de puissance en rôle. Oh là là, Orien Gou qui effectivement touche à chaque fois, Jérôme. Et Jean-Charles, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de combattants d'autres disciplines, notamment de MMA qui font appel à des spécialistes justement qui vont faire les sparring pour eux. Et là, il a été prévenu 48 heures avant, Franck Munoz. Il faut un certain courage. C'est très courageux de sa part. Hein. Voilà. T'en as accepté, Jérôme, des défis comme ça au privé? Oui. C'est ça qu'il n'avait plus boxé depuis le mois de novembre dernier. Il s'était incliné par KO en Croatie. Franck Munoz, attention à ce high kick là. Il est passé beaucoup de provocations, de défis dans le regard entre les deux hommes. Il y a un petit peu de parole et l'arbitre leur demande de ne pas parler. Ouh là là, quelle puissance! On a entendu le bruit là, Jérôme. Middle, là, il a bien claqué sur les fours. Très belle reprise. Et il a beau lever les bras, Franck Munoz, c'est Fabrice Soriens hein, qui a imposé son ascendant technique sur cette première reprise. Ah, Louis Lavalli. L'homme à la casquette. Louis Lavalli. Quel sacré entraîneur celui-là. Là, j'ai une petite pensée pour Myriam. Myriam Lamar. Ah, il l'avait. Ah non, c'était top. C'est vraiment c'était le bon temps. Il a dû préparer Myriam. Ouais, Myriam. Et là, une histoire, hein, Fabrice Soriens, assez particulière. Ouais, puis surtout sur ses débuts, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément choisi la boxe au début, qui pensait à faire autre chose, et qui à 17 ans et demi, on l'a mis dans une salle de boxe, son parrain l'a mis à la boxe et lui a dit tu seras un homme mon fils. Et après petit à petit, voilà, il a pris ce goût pour la boxe, il a pris le goût à la victoire, et puis comme il est à La Réunion, la boxe lui a permis de voyager, de découvrir le monde. Il a été champion de France en 2003, et puis derrière, l'histoire ne s'est jamais arrêtée, elle continue encore aujourd'hui. C'est vrai qu'après il est bon, il s'est quand même pas mal... Il a quand même pas mal disputé de combats en boxe anglaise. Et c'est un petit peu. C'est bien ce qu'il a fait, la boxe française, boxe anglaise. Il est allé chercher un petit peu cette richesse dans toutes les disciplines. C'est clair. Ce que vous avez fait un petit peu également, Jérôme. Ouais, c'est dit. Vous avez fait une dizaine de combats en anglaise, il me semble. J'en ai fait 4. Mais bon, je m'entraînais dans les camps aux États-Unis avec Don King et Jean-Christophe Courage. T'as boxé en full contact aussi. Et t'as même fait un petit peu de MMA aussi. Ah, en fin de carrière plutôt. Carrière bien complète. Yes. Et Orien qui continue sa marche avant. Et on sent Munoz serein et en même temps déstabilisé sur chaque touche. Et peut-être en manque de rythme, hein. Franck Munoz, il a disputé 3 combats en 2015, il s'est incliné 2 fois. On l'avait vu à la Fight Night de Saint-Tropez, face à Zinedine Hammerlin, il s'était imposé au point. Et Orien qui se permet des feintes, des décalages, il est vraiment à l'aise là. Et il est dans le rythme, surtout Orien, parce qu'il boxe quasiment... toutes les deux semaines là depuis quelques mois et c'est vrai que ça joue beaucoup. Super la remise en high kick comme ça. Parce que l'Espagnol il s'entraîne vraiment en Hollande. Hein. Il habite là-bas. Hein, donc même s'il était prévenu il y a une semaine, il est prêt le mec. Hein. Avec les Hollandais souvent ont une constance, un niveau d'entraînement très élevé qui leur assure. Sparring c'est la guerre. Hein. Sparring c'est vrai que c'est souvent l'école hollandaise. Superbe high kick là qui est venu renverser Franck Munoz. On ne le sent pas vraiment à l'aise, Munoz. Il ne parvient pas à délier un peu ses low kicks comme il l'avait fait face à Zinedine Hammerlin qui était sorti avec la jambe complètement bleue. Et là, on le sent reculer sur les avancées de Fabrice Soriens qui, tel un bulldozer, avance. Et quelle puissance! En même temps, regardez la fluidité de ce poids lourd, les enchaînements point-pied.
l'aisance. Ouh, belle réaction. Très beau blocage de Ring, regardez même sur le blocage, il fait tomber Minos qui regarde dans son coin certainement pour chercher un petit peu de réconfort et une solution. Moi je suis quand même surpris par les automatismes de Fabrice. Magnifique. Et là vous voyez c'est, voilà, c'est ces revers tournants, ça c'est vraiment le signe de la boxe française, de cette qualité technique de cette école. Grande fluidité de jambes, grande souplesse pour Ring, comme quoi on peut être puissant et souple. Ah, c'est vrai que chez les polos on voit rarement des techniques de jambes aussi fluides, aussi rapides, aussi incisives. Ce middle et cette gauche que vous venez dans cette gauche sautée, il est vraiment puissant sur toutes les touches en rien. Et là vraiment il est très à l'aise avec ses jambes. Il a aussi placé son bras arrière là, son bras gauche. Regardez cette vivacité d'Orient qui décale pour mettre le point. Il cherche à sortir du côté neutre en passant sous le bras. Regardez ce coup d'œil, cette lucidité, Jérôme. Oh, très belle esquive. Super automatisme quand même. Ça part tout seul, hein. C'est vraiment ça ce que Jérôme veut nous dire par automatisme. C'est-à-dire que les enchaînements ont tellement été répétés à la salle qu'il sort tout seul. Et comme je vous le disais, c'est bien, il est dans le rythme. Et puis maintenant, il a 34 ans, il se fait plaisir, Fabrice Henrique. Il n'a plus envie de se poser de questions. Eh bien écoutez, ça lui réussit bien. Bien fluide dans la tête, c'est ça qui va. Qu'est-ce que tu dirais, Jérôme, à Minos dans le coin là? Oh, là j'irais alors là attends. Là j'irais bouger un petit peu plus, ouais. sur le côté gauche. Et de travailler beaucoup en low kick. Travailler des points, mais pas une grosse puissance au niveau du visage, mais vraiment shooter en bas. Mais bon, je pense qu'il est déjà trop tard. Il fait pas ça au troisième round. Ouais. C'est vrai qu'on est sur un format 3 reprises de 3 minutes, hein, qui n'offre que très peu de plus d'enchaînement. Plus d'enchaînement, il est plus léger, plus de vivacité. Non, je pense qu'il n'est pas dedans, On l'a senti, là, il est un peu sur la réserve. Oui, sur réserve. Et c'est un poids lourd, content d'expérience, hein, Franck Mouloz, hein, qui a fait 8 saisons chez les pros, qui a pu à la limite face à Rico Verhoeven, qui a gagné 2 fois face à Redouane Kero. C'est pas n'importe qui, hein, Franck Mouloz, dans cette catégorie. Il a été pris au pied levé, effectivement, et puis vraiment en face, il a aussi quelqu'un de très puissant qui le gêne. Regardez, il démarre très fort, Mouloz. Oh là 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 là, quel échange, vous entendez la puissance de ses attaquants, j'en veux rien, le chassé latéral aussi pour pousser dans le coin. La boxe française. Ouh là là, il a bien cadré avec son bras avant et vous voyez ce bras gauche ensuite. C'est qu'il utilise souvent son anglaise, on l'avait vu à Lyon face à Luca Pinto, il avait beaucoup placé ce bras arrière. Forcément le... Dégage sur la gauche là, sur la droite. Oh là là, vous avez vu ça, la jambe d'appui remontée en haïki. Oh là là. On est au bord du ring, on sent les coups. Hein. C'est ça Jérôme, c'est important, c'est vraiment puissant. J'invite le plus de monde à venir voir les combats si vous n'avez jamais assisté à un combat sur place, c'est vraiment impressionnant. Ouh. Le coup d'accrochage, le rythme un petit peu cassé, ça reprend avec voilà, Munoz qui va enfin peut-être se libérer. Attention, tout de même à la réaction d'orgueil du poids lourd espagnol. Il vient de nous gratifier d'un bel enchaînement. Et Orient qui cadre toujours très bien, garde le contact. Je pense qu'il se focalise beaucoup sur les points de son adversaire, Franck. Il est trop focalisé sur les points, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à déclencher, il est trop dans l'attente. Et puis il parvient pas clairement à utiliser son allonge, à imposer sa distance, à capitaliser un peu sur ces 10 cm qui le séparent de Fabrice Oriang. Le crochet qui est arrivé. Et à chaque fois, il y a des coups très très durs, hein, en anglaise qui arrivent de la part d'Oriang. Et on pourrait regretter peut-être un tout petit manque de punch parce qu'on sent s'il y avait vraiment un don un petit peu plus important. On sent que les adversaires tomberaient tout de suite. On sent que c'est quand même lourd. Hein. Ah, on a entendu l'impact, Jérôme, sur chaque enchaînement. Donc les 3-4 cm en plus. Il reste 1 minute à Fabrice Henrique pour parachever ce succès qui se dessine. Il est en train maintenant de fatiguer Munoz un petit peu sur le corps à corps, même s'il y a une belle réaction avec ce crochet du droit. Il est mieux dans cette troisième reprise, Franck Munoz. Non, pas ça. Non. Un petit manque de lucidité de la part des deux combattants.
Un peu de frustration peut-être de la part de Mouliou. C'est difficile, hein, Jérôme, quand on n'arrive pas vraiment. Il y a des soirs comme ça, il y a des jours sans. Et il essaie de finir le round fort, Munoz. Oh, attention. Il ne va pas être compté, Fabrice Sorien, parce que. Non, il n'a pas été. Il est tombé puisqu'il a été accompagné au sol par un coup. Il aura résisté, Munoz, au rouleau compresseur Aurien qui a été puissant sur chacune de ses touches. Et attention au choc de tête entre gaucher et droitier. Regardez sur ce dernier mouvement. Et tranquillement mais sûrement, Fabrice Aurien va s'offrir un huitième succès consécutif. Munoz qui est, on le voit en même temps, Jean-Charles qui est content d'être allé au bout, d'avoir tenu. Et c'est déjà un exploit quand on vous appelle 48 heures à l'avance. Ceux qui l'ont fait comme Aurélien et Jérôme qui sont à mes côtés savent à quel point c'est un exploit. C'est vrai. Mais remarquez, on n'a pas le stress de toute la préparation d'un mois et demi à se dire qu'est-ce que fait l'autre et ceci, cela. Donc là on y va et. On n'a pas le temps de cogiter. C'est ça. Moi j'arrive le matin même au Japon, je boxais, je repartais le soir. Donc... Contre quel adversaire t'avais fait ça ? J'ai fait ça contre le grand coréen. J'ai fait ça une autre fois pour Choi. En Man Choi. Puis une fois avec Peter Hart aussi. Peter Hart aussi. Peter Hart c'est quand même pas le dernier des clients, trois fois champion du monde de K1 à l'époque. Un petit peu d'intox de Franck Munoz à la Bernard Hopkins un petit peu. Il montre qu'il va bien, qu'il est content d'avoir tenu la distance et c'est vraiment important de le préciser. Et Jérôme pourra le confirmer que parfois de tenir la distance et d'aller au bout dans un combat très très dur, c'est déjà une victoire en soi. C'est une victoire, voilà. Il nous fait un petit signe, Franck Munoz, il est satisfait de sa prestation. Il pointe de la main les juges. Non. Franck, je t'aime bien. Mais il n'y a pas de. Hein. Non, ce soir, c'était pas pour toi, Franck. Non. Et donc déclaré vainqueur de ce Super Fight, le boxeur coin rouge, monsieur Fabrice Aurien qui s'offre un huitième succès consécutif à 34 ans. Il nous l'avait dit il n'y a pas longtemps, Jérôme, vous a dit ce sont mes dernières années. J'ai envie de me faire plaisir et de finir sur des belles victoires. Où est-ce qu'il peut aller, Fabrice Aurien, dans cette forme, dans cette mentalité-là? Jusqu'où il peut aller? Le Glory, la Fight Night le 4 août, trouver un super adversaire. C'est quelqu'un qui boxe des noms, c'est ça que j'aime bien. C'est les mecs qui. Voilà. Quand Jérôme dit qu'il boxe des noms, c'est-à-dire qu'il boxe des standards de la boxe et des champions, des boxeurs connus qui sont renommés. Et c'est vrai qu'ils refusent aucun combat. Ça. Dans les 1-20e. Et il y a beaucoup de plaisir sur le visage de Fabrice Aurien. À chaque sortie, vraiment, il nous démontre toutes ses qualités. Et il va s'offrir une très belle victoire pour le deuxième combat de cette soirée. Vous découvrez les rendez-vous qui vous attendent sur l'équipe 21 et notamment ce fameux ring de la Fight Night de Saint-Tropez, l'endroit magnifique, la citadelle de Saint-Tropez. Ce sera une très grande soirée à suivre en direct et en exclusivité le 4 août sur notre antenne. On sera là vraiment pour vous faire vivre cet événement. Et puis il y aura la Nuit des Champions à Marseille qui sera également le dernier grand rendez-vous. Justement pour permettre aux boxeurs d'avoir une régularité dans leur combat. On revoit rapidement des images d'un combat féminin qui a ouvert un petit peu ce plateau. Championnat de France de K1 entre Laetitia Madjen, short rose, face à Nawel Karouesh. Combat très disputé. Un combat d'une âpreté incroyable. On a vu deux guerrières, véritablement, j'utilise le terme sans recul, deux guerrières qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Et Laetitia Madjen qui a pris le dessus, hein, vous le voyez sur cette anglaise dans le deuxième round. Et pourtant, ce sont deux boxeuses qui se connaissent. En plus, on les a vues hier à la pesée, on les a vues discuter après la pesée, scène assez cocasse, hein, et puis se faire la bise en se disant à demain. À demain, on se voit au boulot. C'est des collègues de travail. Et là, ce soir, on a mis un petit peu les émotions de côté. Et bien, voilà, on a boxé et Siam Adjen qui a remporté cette ceinture face à son ami. Évidemment, beaucoup de respect ensuite entre ces deux athlètes. Bien sûr, on le voit à l'image et c'est important de le préciser qu'il n'y a aucune animosité entre les... Peut-être une septième victoire consécutive, il est dans la forme de sa vie, Johan Lidon. Merci.
Jaïd Sedak très très ému après des années à avoir donné tant à la boxe. On n'a pas pu entendre ces quelques mots, on n'a pas pu les distinguer, mais vous le voyez, vous pouvez le voir sur ces images, toute l'émotion de ce grand champion. Qui embrasse la famille de Pascal Iglicki, Nathalie Iglicki qui est là, qui est avec qui j'ai expliqué sur une autre chaîne et qui est un des pionniers du journalisme du pied-point dans le magazine Karaté, qui a connu 3 générations, 4 générations de boxeurs. Et c'est un petit salut qu'on lui fait, un clin d'œil aussi. Ouais, qui est un journaliste qui a laissé évidemment sa marque dans l'histoire du pied-point, qui a fait beaucoup pour sa discipline, Pascal Iglicki, et qui est décédé malheureusement l'année dernière en Thaïlande. Où il avait rêvé de finir ses jours. Et c'est ce qu'il vous avait dit, Aurélien. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit 15 jours avant de partir en Thaïlande, on commentait. Il m'a dit que j'aurais fini mes 8 jours là-bas. Et bien voilà, on voit le bras droit de Karapetian. Voilà, vous voyez là qui est venu directement descendre au corps. Et bien derrière, il y a eu une surprise, ça n'a pas été la droite. Finalement, ça a été le high kick. Il a attiré l'attention en ligne médiane au niveau des flancs. Il attire l'attention en ligne médiane. Donc Karapetian baisse la garde un peu, vous voyez, il passe au-dessus du point. Et voilà, et là c'est net. Et regardez, Karapetian est déjà debout, appuyé par Perry Ibeda. Il est surpris des fois. Quand ça m'est arrivé, j'ai dit aux autres, mais avec quoi il m'a mis KO? On n'avait pas vu le coup arriver. Et rassurez-vous, aucune gravité pour ces athlètes. 20 heures de ce combat par KO à la 4e reprise. Soyez au cœur du combat avec Hermès.